For a great many fans around the world, the name Benoît Sokal has special importance and meaning. As an author of both comic books and video games, this multi-talented creator of worlds devoted his impressive career to taking his audiences on a journey. Today, Benoît Sokal is no longer with us, but he has left a huge mark behind him, filled with dreamlike settings and colorful characters which only he could have created. Here is a tribute to this exceptional artist, a pioneer in many areas, who will continue to inspire future generations. For Microids, as well as millions of gamers worldwide, video gamers are a central part of Benoît Sokal's legacy, particularly his seminal franchise, Siberia. My name is Kate, Kate Walker. C'est l'histoire de Kate Walker, l'héroïne, qui au début est une avocate new-yorkaise qui vient régler un problème de succession dans une usine en Suisse, ou ce qui pourrait être la Suisse, et qui se retrouve à rechercher les héritiers et boucler son dossier, qui va partir dans un univers, une aventure totalement différente, et s'éloigner aussi progressivement et complètement de sa vie d'avant. And you know what surprises me the most? I don't miss it. C'est une licence qui a été créée en 2002, si je ne dis pas de bêtises, donc par Benoît et Microids. C'était un point and click qui mettait en scène tout un espèce de nouveau monde fascinant, fait d'automates, d'animaux fantastiques. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Thornburg. Right from the first installment in 2002, the Siberia series earned a place in players' hearts, thanks in particular to its unique and magical atmosphere, enhanced by remarkable production techniques and beautifully directed scenes. L'histoire de Kate, elle est intéressante parce que c'est l'histoire du voyage, mais autant le voyage extérieur qu'intérieur, en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle fait un suicide social et elle arrête tout. Elle quitte ses proches, sa famille, pour découvrir des endroits qui sont parfois inhabités. Là où la nature reprend un peu ses droits, ça c'est toujours des choses qui sont d'une poésie incomparable. Il a toujours cherché à créer avec Siberia ce rapport de c'est notre monde et en même temps pas tout à fait, ce qui offre beaucoup de liberté et notamment celle de recréer des événements ou des choses, mais en s'offrant des libertés parce qu'on a une licence poétique grâce à ce petit pas sur le côté, quoi. Enchanting soundtracks, well-designed puzzles, and a multi-layered narrative have also ensured the series will go down in video game history. What makes the atmosphere of Siberia so distinctive is the unique signature of Benoît Sokal, an all-round artist who first expressed his creativity through comics. On a commencé Benoît Sokal et moi la bande dessinée plus ou moins en même temps. On peut dire qu'on est un peu nés ensemble. Très vite, il est arrivé dans la section Saint-Luc à Bruxelles. C'était une des premières sections de bande dessinée en Europe. Tout de suite, on a commencé des journaux comme Métal Hurlant à suivre, qui a été une aventure très longue pour lui et pour moi. C'est dans le domaine de la bande dessinée qu'on a exploré nos moyens, nos capacités à raconter des histoires, à construire des univers. J'ai eu la chance de travailler avec Benoît Sokal depuis mon arrivée chez Casterman, maintenant en début 2000. Il y a deux pans principaux, si on voulait un peu schématiser, dans le travail de Sokal. Le plus connu pour les fans de BD, parce que c'est aussi le plus ancien et c'est par là qu'il a commencé, c'est Canardo. Canardo, c'est une sorte de Donald Duck alcoolique, détective privé, qui est une sorte de parodie du polar, même si c'est animalier. Là, on est vraiment dans de l'adulte, dans le propos, il y a des prostituées, il y a du sexe, il y a des morts, il est alcoolique au dernier degré. Et dans le pan plus réaliste, on avait fait Kra. C'est l'histoire d'un jeune indien dans une nature jusque-là un peu inviolée, et puis il va y avoir l'exploitation avec outrance des mines, des réserves naturelles. Et on a un jeune natif qui va s'allier à un aigle royal qui est gigantesque pour mener sa vengeance. He created the album Sanguine in collaboration with the playwright Alan Populaire, which told the story of a young Catholic during the 30 Years' War.
or the comic book, The Old Man Who No Longer Wrote, which told the story of a failing author who recalls his past with a mixture of nostalgia and pain. Dès les années 90, Benoît a vachement évolué avec la technologie. Donc, il a été l'un des premiers à utiliser la mise en couleur numérique pour ses albums de bande dessinée. Et puis, assez vite, à partir vers le jeu vidéo en disant qu'il y a des choses à faire au niveau univers. Et ce qui m'a le plus épaté, c'est quand il a commencé à travailler la 3D. Et là, j'ai vu qu'il se tapait mais des livres extrêmement compliqués, extrêmement techniques en anglais, et qu'il était capable de les absorber. Et ça, je me suis dit, waouh! Tous les auteurs ne savent pas faire ça. After developing his expertise in this area, Benoît Sokal decided to create an interactive experience that would immerse the audience in his world. He gradually brought into being the fascinating and strange world of Amazon, his very first video game. C'était vraiment bluffant. On était tous en se disant, waouh, là il a changé de dimension. Il a réussi un jeu vidéo d'auteur. C'est pas un jeu vidéo de producteur, c'est un jeu vidéo d'auteur. Et c'est un cas d'école. Receiving awards and critical acclaim, and purchased by more than 1 million players, Amazon was a resounding first success for Benoît Sokal in the field of video games. Benoît Sokal also planned to express his world through animated movies. Un jour, il m'a dit, tiens, j'aimerais bien travailler avec toi sur une histoire. Et on s'est retrouvé avec ce projet de film, Aquarica. C'est une histoire qui a des éléments écologiques, qui est assez, quand on pense qu'elle a été commencée il y a 20 ans, et elle donne plein de choses sur notre monde. Elle est encore totalement pertinente, j'ai l'impression. One of the last major works by the artist was Aquarica, which led to the release of 2 albums in bookshops beginning in 2017, as well as a short movie directed by Martin Villeneuve. There is well and truly a Sokal world, which would today be described as transmedia, but which was created ahead of its time. Je crois que Benoît va laisser une place comme un vrai créateur d'univers. Ça ouvre un monde graphique qui nous fascine, et c'est ce qui fait qu'il pouvait exprimer toute la diversité de ses émotions. Benoît Sokal was without a doubt a singular and important author, not just for the worlds of video games and comics, but for all those people who love to be taken on a journey by beautiful stories. His creations will live on in people's memories, like the white birds from Amazon, the inimitable style of Inspector Canardo, and the adventures of Kate Walker. Siberia n'aurait pas pu exister sans Benoît. Ça, c'était impossible. Hein. C'est vraiment la transposition de son monde, de son univers, de son histoire aussi. Je crois que c'est une citation de Stevenson qu'il aimait bien. Il disait que l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage.